Alors vous me demandez souvent comment est-ce qu'on se sent avant de parler devant des centaines de personnes, est-ce qu'on a le trac, est-ce qu'on n'a pas le trac, etc. Et chacun de donner son conseil. Alors bien sûr, j'ai mon propre conseil. Mon propre conseil, c'est de finalement continuer à avoir un petit peu le trac. Non pas que vous le faites exprès, mais simplement c'est parce que vous vous remettez en cause à chaque fois. Ici, dans quelques minutes, ce sera à moi d'intervenir, de parler de l'optimisme opérationnel devant plus de 600 personnes. Et est-ce que j'ai le trac ou est-ce que j'y vais la fleur au fusil? Eh bien non, je n'y vais pas la fleur au fusil. Parce que si vous y allez la fleur au fusil, ça veut dire que vous n'êtes pas dedans. Ça veut dire que vous n'allez pas rentrer vraiment dans le thème, dans le sujet. Tandis que si vous avez une toute petite appréhension et que bien sûr vous êtes hyper préparé, ce qui est mon cas, eh bien dans ce cas-là, vous avez toutes les raisons de penser qu'une fois le premier mot prononcé, eh bien tout va bien se dérouler. Et comme je suis optimiste, mais pas un optimisme VA, eh bien, comme je suis optimiste, je sais que tout a été calé, je sais que tout a été réfléchi. J'attends aussi une partie d'improvisation, parce que pour moi, c'est ça une conférence. C'est parler avec les gens, rebondir sur ce qu'ils disent, les interpeller, les titiller, les faire réfléchir, les booster, leur donner des solutions. C'est tout ça pour moi une conférence. Et vous savez quoi ? Ben, je vais vous dire, j'adore mon métier, j'adore ce métier-là, j'adore parler devant des centaines de personnes, non pas pour mon ego, qui n'a rien à voir là-dedans, j'adore parler devant des centaines de personnes simplement parce que je sais que ce que j'ai vécu des aides, tout simplement, qu'ils soient managers, entrepreneurs, collaborateurs, je sais que ça porte parce que c'est du vécu, c'est de l'authentique, et je pense que l'optimisme opérationnel, s'il marche si fort que cela, c'est parce que les gens sentent que ce vécu-là peut les aider. Conclusion, j'ai hâte que ça commence. J'ai un peu le trac, pour tout vous dire. Ça s'entend un petit peu, d'ailleurs, je trouve. Mais dès le premier mot prononcé, vous savez quoi? Ce trac va complètement disparaître. Alors, je vous laisse, parce que je vais rentrer dans ma bulle. C'est une autre chose importante. Je vais rentrer dans ma bulle. Et puis, tout à l'heure, waouh! C'est à moi de parler. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les coulisses de la conférence. Merci, à bientôt.